Bonjour, Arnaud. Aujourd'hui, les paroissiens ont trouvé un corps à Notre-Dame. Les plaisantins l'appellent déjà le pénitent. J'en conclus que justice a été rendue. Pas encore. Siver avait un complice la nuit où Monsieur de la Serre a été assassiné. C'est lui qui a porté le coup fatal. Cela soulève des questions troublantes. Qu'as-tu appris? Il a agi avec un homme appelé le roi des thunes. Le roi des mendiants? En es-tu sûr? Vous le connaissez? De nom. Les mendiants lui versent tribut. Mais cet homme est un fantôme. Nous avons envoyé 3 assassins à ses trousses. Les 2 premiers n'ont rien trouvé. Le 3e n'est jamais revenu. Je peux le trouver. Siver a parlé à l'un de ses lieutenants. Je dois à la mémoire de Monsieur de la Serre de découvrir la vérité. Peut-être en es-tu capable. Tu as fait tes preuves en tant qu'assassin aujourd'hui. Et un assassin doit être muni des bons outils. Donc, si je comprends bien, la lame secrète et les bombes fumigènes, c'était juste un avant-goût, c'est ça? La lame fantôme. Une modeste amélioration de la lame traditionnelle des assassins. Là où tu dois aller, tu devras rester à distance de tes ennemis. Très bien. Assassin, ce conseil t'ordonne de te rendre à la cour des miracles. Trouve le Templier qu'on nomme le roi des thunes. Découvre ses secrets. Et apporte-lui la paix. Regardez-moi. Vous cherchez une fille, tout ça. J'imagine que vous... Il y a quelques années. Ça, c'était vraiment atroce. Garde une main sur ta bourse et tout ira bien. De 15, ma vaillance Le voilà, le lieutenant du roi des thunes.
La touche. Oh, je ne m'y risquerai pas. Regarde. Oh, splendide, non? Le bon peuple de Paris donne plus d'argent aux mendiants estropiés qu'à ceux encore intacts. Le roi des thunes trouve dans cette opportunité le moyen nécessaire à stimuler ses employés les moins prospères. Cet homme a déjà perdu son pied. Certes, tu peux charger dans le tas et causer un joli tumulte qui renverra tous ces rats dans leur trou. Ou tu peux te mêler à la meute et suivre les rats doucement jusqu'à leur souverain. Quoi que tu fasses, cet homme ne reverra pas son pied. C'est fait. Escortez-le à l'infirmerie pour cautériser la plaie, puis renvoyez-le dans la rue. Allez, toi, debout. Merci, j'apprécie le conseil. Pas encore. Qui êtes-vous, au juste? Et pourquoi m'aidez-vous? Cela fait quelque temps que je t'ai à l'œil, Arnaud. Je considère qu'il est de mon devoir d'aider ceux qui ont connu, tout comme moi, l'emprise cruelle de la Bastille. Et j'ai un intérêt bien personnel à voir le roi des rats. Enfin, prise au piège. Quant à mon nom, j'ai le grand privilège d'être Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Viens me rendre visite quand tu te seras lassé de chasser la vermine. Oh, quelle belle trace il laisse. Bonne chance. Sa grâce a installé quand il a voulu savoir sous terre. Si tu t'endors dessus, tu n'auras rien à craindre. N'approche pas. Monsieur Latouche, toujours en train de prodiguer ses soins aux affligés? Ton jour viendra, libertin. Plutôt que tu ne l'imagines, sois-en sûr. Qu'on joue à cache-cache, celui-là.
C'est vrai ce qu'il a fait à Thierry? Ah, je me souviens de ces hurlements. Ils n'en finissaient plus. Tout ça parce qu'il s'était trompé dans les comptes. C'est vrai? Je pensais qu'il avait volé dans les caisses. Non, il a oublié un dans le registre. Je vois. Mieux vaut ne pas traîner alors. Faites-le entrer, vite! Je sens que quelque chose ne va pas. Il est mort, monsieur. Alors jetez-le dans le caniveau et suivez-moi à l'intérieur. C'était quoi ça? Quelle est la consigne pour le malheureux d'Ulysses? Brûlé dans un incendie qui a tué sa famille et lui a fait perdre la tête. Un incendie? Tu sais à quel point je peine à les imiter sans faire brûler la moitié du quartier? Utilise un peu d'huile de vitriol. Les gens ne feront pas la différence.
Dis-moi où est le roi des thunes, et je te laisserai la vie. Les catacombes! Il est dans les catacombes, sous la vieille église! La touche. Je m'attendais à ce que tu sois un peu plus coriace. Que penserait ton maître? Mon Dieu! Mon Dieu, des où? Allez, vous autres! Thank you.
Tout cela est fort intéressant. Les rues grouillent de la main-d'œuvre retaillée de sa grâce ces derniers temps. J'ai à peine gagné un denier cette semaine. Comment veut-il qu'on attire l'œil face à des triples amputés et à des soldats estropiés ? Pauvre diable. Oui, toi, voilà.
Votre grâce! Votre grâce! Votre grâce! J'ai appris de sources sûres qu'un assassin rôdait et qu'il comptait s'en prendre à vous! Voilà qu'il se fait plus coriace. De ver, il devient serpent. Diantre, je savais que ce n'était qu'une question de temps. Mais cela est bien trop tôt. Oh, oui, votre grâce. Les assassins sont bien renseignés. Mais c'est nous qui avons l'avantage, n'est-ce pas? Rassemble la garde et donne la chasse à cet assassin. Rapporte-moi sa tête. Mais, votre grâce, la moitié de nos hommes est aux prises avec les mendiants en révolte. J'ai honte pour lui. Le dernier apprenti des béliers m'a apporté le plus merveilleux des présents. J'espère que tu en fais. Mes sujets ont des yeux partout, Monseigneur. Tout ce qu'ils voient, je le mets au service de l'ordre. Et que pourrait nous apprendre un roi des égouts? Les intrigues des rats, tu peux disposer. Les intrigues des rats? Il joue prétentieux si jamais je mets la main sur lui. Mon maître serait ravi d'arranger ça. Mon frère. Tout va bien, monsieur? Vous avez abusé du champagne? Sivert, il faut partir.
c'est fait. De la serre est mort. Grand maître. Bien. Tu arrives à temps pour l'avènement de mon règne. Votre règne? Tant qu'il existera une cour des miracles, il doit y avoir un roi des thunes. Puisque la place semblait vacante, je l'ai prise. Vous n'avez pas perdu de temps, son corps est encore chaud. Peut-être ai-je légèrement anticipé sa destitution. Disons, dès que tu es apparu à la cour des miracles. Vous vous êtes servi de moi. Ta cible est morte? Nous nous sommes servis l'un de l'autre. Vous avez hérité d'un étrange royaume. Eh oui, n'est-ce pas? Alors, justice a-t-elle été rendue? Les morts sont vengés? Ton âme apaisée? Le bien a triomphé? J'en suis encore loin, Marquis. Chaque fois que je crois toucher la vérité du doigt, une nouvelle couche de mensonges me barre la route. Oh, une conspiration, une intrigue, un complot qui s'épaissit à vue d'œil. Il ne manque qu'un brin de bestialité et un prélat lubrique pour tenir le début d'un magnifique roman. Je préférerais une piste solide. Si jeune. Et déjà si sérieux. Eh bien, bonne chance à toi. J'imagine que tu as jeté un œil à ceci. Où avez-vous trouvé ça? L'un de mes fidèles sujets me l'a apporté. Un certain gage d'estime, si l'on est. Oh, un objet étrange. À ma connaissance, une seule personne sait travailler le métal de cette façon. C'est une lame comme celle-ci qui a tué Monsieur de la Serre. Mais j'imagine que cela, vous le saviez déjà. Pourquoi n'avoir rien dit? Où en serait l'homme s'il n'avait jamais dû se poser de questions? Si tout ce qu'il avait toujours voulu savoir lui avait été remis sur un plateau d'argent? Aurait-il oublié qu'il pouvait s'interroger?
Ou se serait-il débarrassé de son ignorance pour surpasser ses piètres limites? Peut-être, oui. Cet artisan s'appelle François Thomas Germain. Tu trouveras son échoppe près des Halles. Merci. Bonne chance.